Un gros salutation à tous fidèles abonnés World Travel Multiservice, jeudi à ce jeudi. Nous sommes le 5e jour dans l'année 2023 et nous disons bon Dieu merci du fait qu'il t'a protégé nous. Nous disons merci du fait qu'il t'a fait nous lever avec souffle de respiration en pleine forme et en bonne santé et permet de nous passer une si bonne journée en compagnie de famille nous. Nous disons merci pour chacun de prochains nous et chacun de membres de la famille nous. Nous disons merci à chaque fois de permettre chaque parent qui est toujours levé avec une santé robuste afin que nous soyons capables évacué dans différentes activités yo. Et nous disons merci du fait que le béni activité et c'est là yo. Et permettre de rentrer avec un quotidien dans là pour capable et nourrir famille et nous disons bon Dieu merci pour ça parce que nous pas gagner plus qu'une capable dire c'est dire merci balé de l'or l'honneur l'orange que lui-même seul méritait. Donc si on pas ingrat et on connaît que c'est une grâce bon Dieu fait lui permet de traverser année ça et capable chaque jour lever et dire merci et qu'on ça là pour reconnaissant envers lui-même c'est tout ça bon Dieu lui-même lui besoin dans mon et qui te dit merci à chacun des abonnés individuellement et distinctement pour tout support que vous portez avec Channel World Travel Multiservice et c'est grâce à nous-mêmes qui fait je ne jeudi à World Travel Multiservice lui-même lui découvrir partout et nous gagne plusieurs monde qui à l'étranger en Canada, États-Unis, France, un peu partout qui contactent nous pour des services assistance pour nos bio par rapport au prochain que vous voulez entrer, faire passer par Belize, entrer Mexique. Et c'est grâce à nous-mêmes. Donc, si nous ne pouvons pas faire un travail positif, je pense que nous ne pouvons pas jouer une possibilité pour nous capables de partager la vidéo. Je dis nous merci du fond du cœur. Et à ce moment-là, je viens partager la vidéo ça, ensemble avec nos côtés que un pile monde qui ne connaît pas et qui Jean et Brésil actuellement, ils ont même vidé. Pardon. Nous avons maintenant à vider visa visiteurs et sans arrêter. Et nous connaissons et de nos jours, tout le monde presque concentré sur son seul côté, qui c'est Belize. Juste pour traverser en Mexique, entre Tonton Sam. Mais pourtant, il y a d'autres opportunités qui présentent. Il y a un monde simplement y a tant et visa humanitaire. Pourtant, jusqu'à maintenant, les poco opérationnels pour Haïtiens. Et le problème qui est posé, c'est que nous-mêmes Haïtiens, et difficulté que nous gagnons, c'est avec documents relais, attestation bancaire et relevé compte bancaire. Automatiquement, nous parlons Haïtiens de ça, c'est le plus gros cauchemar que qui est capable de gagner. Pourtant, l'opportunité là, les présenter, c'est prendre ou pas capable de prendre. Brésil lui-même actuellement là lui livré en pile visa visiteur. Comment qui va dire déjà bon visa visiteur là comment on va faire capable gagner et tandis que m'a donné paquet de bande que pas gagner document ça on était capable solliciter visa ça. Mais on seul bagage mon n'a pas connaît. Il est vrai on capable faire demander un visa touriste mais pas oublier Brésil c'est un pays qui a opportunité automatiquement que traverser là dedans. Mettre un visa touriste ou capable de changer statut visa touriste ou surtout avec la situation pays nous y là capable changer en d'autres statuts pour faire l'autre demande ou capable faire demande d'asile et donc il y a capable et entamer avec processus pour baouli et c'est ça un monde pas capable comprendre mais en même temps visa touriste brésilien il y a des conditions pour prendre. Et moi, j'ai aidé 5 amis là, eux-mêmes, que je tape suivre, moi, et te contacté en privé, je te baille assistance sous visa visiteur brésilien. Grâce à Dieu, visa est retombé. Ok, visa est retombé positivement, je gagne pour aller au Brésil là. Donc, je n'étais pas là avec eux, au conseil, mais comment ça pour faire? Automatiquement, quand je suis arrivé, ce n'est pas tout d'un coup pour courir à faire demande d'asile, mais il faut que tu un petit temps passé, une semaine, et puis en 2 semaines, une troisième semaine, on est capable d'aller pour faire demande d'asile, pour capable changer statut. Et je ne sais pas si tu as pile de choses que tu fais, simplement et expliquer aux mecs qui document y a bien besoin. Automatiquement, que tu finis un document, tu es capable de contacter de nouveau pour moi-même capable faire application pour toi.
Et c'est moi-même qui t'ai fait application pour yo. Et tout document que m'te mandé yo, fait tout point possible pour te au ban moi. Et dans vidéo ça, m'va l'expliquer nous. Et de filer en aiguille tout ça que nous supposé faire, yo monde qui t'a aimé joindre visa visiteur brésilien que surnommé visa Vibis dans la langue brésilienne. C'est un visa de court séjour jusqu'à 90 jours. Donc, il dit, sauf exception et vis-à-vis là, il y a une validité un an, elle permet que vous capable de entrer multiple sous territoire Brésil. Là. Donc, seulement, il y a un monde qui a un visa, il interdit que vous exercez des activités rémunérées au Brésil. Donc, nous allons parler de tout ça, au côté que nous allons dire, tout ça, vous avez besoin pour capable solliciter visa ça. C'est assez facile, il est assez facile, donc pas de difficulté pour me faire pour moun yo. Yo pas refuser au visa, donc c'est moun yo encore lorsque yo te vinn voye dat rendez-vous pour yo, yo ta aller dans rendez-vous dans ambassade Brésil là et donc yo livré au visa et moi content pour nous monsieur dame et donc et Stéphanie et moi gagne Stéphanie, moi gagne Félicien, moi gagne Bastien, moi gagne Junior et puis et l'autre deux amis moi souhaiter nous et bon succès dans voyage nous et en même temps tout c'est tout monde ça c'est des monde qui te respecte principe qui a travail et que tout document que me demander pour te gagner te gagner on va parler rapidement sur tout ça donc nous dit que qui ça monde t'a supposé gagner pour capable et faire demande visa ça. Donc, conditions générales pour un monde postuler pour visa et visite, bien, vivis là. Et qui ça l'a gagné besoin? Premièrement, on dit que pour capable déposer demande pour demande visa ça, on a besoin de passeport là, supposé gagner deux pages vierges, validité au moins 6 mois à partir de date d'entrée au Brésil. Ok, ça veut dire que nous connaissons quelqu'un qui a gagné un passeport qui est chargé de pages vierges. Ou que yo même yo capable solliciter visa ça. Ou a besoin yon photo récente et visage en couleur qui gagne une dimension de 5 par 7 cm. Ou a besoin yon attestation de travail qui c'est lettre d'emploi qui a la dedans pour informer de position ou et si augmenter salaire ou dans date que tu embauché ou là. Si on pas gagne si on pas travail c'est un business que on gagne ou a présenter avec patente commercial ou. Si c'est vous-même qui chef entreprise là, ou doit présenter avec patente commercial là, et patente commercial société ou bien d'autres documents qui sont capables de prouver position de l'entreprise ça. Je dis, notez bien et lettre d'invitation. Par exemple, si vous avez un monde qui est au Brésil, même lettre d'avoir une lettre d'invitation pour ne pas servir en rien. Ne pas servir en rien parce que visa ça, c'est une demande visa touriste lié, visa vivis. Mais, il y a durée de 1 an ou capable faire 90 jours sur lui qui c'est 3 mois. OK, au Brésil avec visa ça. Et pour nous continuer, je dis que même là on t'avons lettre invitation ba ou, il pas servir avec rien et pas considérer lui si que ou pas capable prouver une lettre d'emploi ou bien moyen de subsistance parce que sous faire demande visa et visiteur brésilien qui c'est yo surnommé visa vivis. Il faut prouver moyen de subsistance. Puisque on dit que c'est touriste ou faire. On peut toujours faire li. Mais l'arrivée ou changer statut hein, par rapport ou à présenter fait qui a passé dans le pays nous actuellement. Et ça qui est important encore, il dit qu'il ne pas recevoir attestation bancaire. Parce que vous prenez trois bagages attestation bancaire. Ça, côté que vous avez doit présenter une attestation bancaire qui doit 7 000 $ américains. Pourtant, comme ça va pour lui. Mais yon vle que pour moun nan présenté avec yon relevé compte bancaire 3 derniers mois récents yo. Lorsque m'parle de 3 derniers mois récents yo, qui sa ou pral évaluer? An di sou pral faire demande là dans mois de janvier là, 3 derniers mois récents yo pral pote relevé compte bancaire là, c'est décembre, novembre, octobre. Qui donc si nan 3 derniers mois sa yo et décembre, octobre et décembre, novembre, octobre, le regardez nos 3 mois sa yo, yon wogon ou gagné yon somme de 3500 dollars américains et puis dans janvier alors entre dans mois de janvier là somme ça li même ni toujours sous compte
là il y aurait son monde qui capable de répondre avec un moyen de subsistance li pendant voyage là. C'est ça que ça, à chaque fois on demande au monde un relevé de compte bancaire soit au moins de 3 derniers mois récents ou bien 4 derniers mois récents. Lorsque on demande 4 derniers mois récents relevé de compte bancaire yo, c'est pour capable garder dans 4 derniers mois ça yo combien comme vous avez gagné sur compte là. Si par exemple dans 3 derniers mois octobre vous avez gagné $1,000, novembre ou ajouter $600 sur le fait $1,500 et puis décembre ajouter $1,500 fait $3,000 sur lui le ça qu'on y a là on vient gros avantage que on vient gagner yo ou son monde qui a fonctionné ou gain cop cap entrer sous compte le ça qu'on y a ou capable répondre avec et voyage là c'est et conseil ça m'a toujours capable ba nous toujours montrer que nous ajouter sous cop là par exemple octobre ou t'ai gain $1,000 novembre, on met $1,000, faire $2,000. Décembre, on met $2,000 sur lui. On vingo $4,000. Qu'on y a là, on capable et mande banque là. Yon relevé compte bancaire. Même les problèmes d'apour, on fait le comme ça. Just pour capable jouer une possibilité pour jouer une visa. Automatiquement, que au fin gagner ça, qui sont pas besoin, qu'on pas besoin. Yon certificat international d'immunisation contre la fièvre jaune. Ou a besoin casier judiciaire qui c'est pas des CPJ. Yon dit que et ambassade la pas accepter et certificat de bonne vie et mœurs et puis l'offre tout document ça itinéraire de voyage le, et tout bail ça donc on gagner pour payer un frais de $80 américains qui c'est frais et demande visa et vivis là qui pour Brésil donc c'est tout document ça on besoin pour capable faire demande visa pour capable jeune c'est pas oublier pour nous encourager c'est like commenter partager merci.